Qu'est-ce qu'une star en 2022? Pour les Français, interrogée par Harris Interactive, astérisque, pour Gala, elle appartient avant tout à l'univers du divertissement et du sport pour plus des deux tiers des personnes interrogées. Céline Dion, suivie de Johnny Hallyday et Kylian Mbappé sont les trois noms qui viennent spontanément à l'esprit des Français lorsqu'on leur demande qui incarne le plus la notion de star à leurs yeux. Des chanteurs comme Florent Pagny, des comédiens comme Alain Delon, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu ou des champions comme Cristiano Ronaldo sont ensuite les premiers cités, dans la foulée de ce trio de têtes. Rihanna ou Brad Pitt sont les têtes d'affiches américaines qui incarnent le mieux l'idée qu'ils se font d'une célébrité. Issue essentiellement du monde du spectacle, la star n'est pas pour les Français un candidat de télé-réalité, 21%, un responsable politique, 23%, pas plus qu'un homme ou une femme d'affaires, 28%, ou un animateur radio, 30%. En 2022, elle se pose en modèle et continue de faire rêver pour ce qu'elle réalise très concrètement. Plus de 7 Français sur 10 estiment que c'est une personne talentueuse, 82%, inspirante, 75%, belle, 71%, et méritante, 70%, alors que près de la moitié d'entre eux estiment qu'il s'agit d'une personne distante, 52%, ou arrogante, 46%.